Bonjour. L'histoire s'accélère. Après la défaite des démocrates et de Barack Obama aux élections de mi-terme, faut-il s'attendre à une nouvelle baisse du dollar, à une relance de la guerre monétaire ? La visite du président chinois en France et au Portugal, à quelques jours du sommet du G20 à Séoul et avant la présidence française de ce même G20, permettra-t-elle de faire entendre raison aux Chinois sur la réévaluation du yuan ? Sur toutes ces questions cruciales, nous avons invité aujourd'hui Christian de Boissieu, un des économistes connus et reconnus en France et à l'extérieur des frontières, en particulier sur les questions financières et monétaires. Professeur agrégé à Paris 1, la Sorbonne, Christian de Boissieu préside depuis 7 ans et demi maintenant le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Il a mené de nombreuses missions en France et à l'étranger et on ne compte plus ses ouvrages. Merci Christian d'avoir répondu à notre invitation et nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors après la défaite d'Obama, qu'est-ce qui va changer aux États-Unis en matière de politique monétaire et budgétaire ? Merci d'abord de votre invitation. Sur le plan budgétaire, je vais commencer par le deuxième aspect que vous évoquiez. Bon, il y a sans doute des choses qui vont changer, mais on ne sait pas très bien dans quel sens, parce que le déficit budgétaire fédéral américain en 2010 est de l'ordre de 10% du PIB américain, c'est-à-dire qu'il est élevé. Obama, avant même ces élections, avait annoncé il y a quelques mois un plan de, j'allais dire, de réduction du déficit, de ce déficit fédéral dans le temps, mais plan qui n'était pas très crédible. Les Républicains arrivent en force à la Chambre des représentants. Est-ce qu'ils vont pousser à un resserrement rapide des finances publiques américaines ? Quand je dis les Républicains, c'est aussi la fraction Tea Party qui risque de En fait, il n'y a que deux représentants du Tea Party. Oui, enfin, donc c'est quand même les, même si on en parle plus que le nombre ne l'indique, ne le suggère. Donc moi, je pense qu'on est quand même dans un contexte où, avant ces élections et après ces élections de mi-terme, au fond, les marges de manœuvre budgétaires sont très faibles du côté américain, compte tenu du niveau actuel du déficit. Et je pense que c'est ça qui explique en partie pourquoi la Fed, qui avait déjà pris le relais, le reprend encore plus. C'est-à-dire qu'elle a annoncé cette semaine cette nouvelle phase de... Quantitative easing, 2. Voilà, 2. C'est comme Rocky 1, Rocky 2. Il y aura peut-être le Rocky 3, c'est-à-dire le QE 3, on verra. Mais elle tape fort du poing sur la table, en prenant d'ailleurs, à mon avis, tous les risques. Je parle de la Fed. Elle va mettre 600 millions de dollars sur 600 milliards. 600 milliards de dollars sur 6 mois. Sur 6 mois, achat de bons du Trésor et titres de la dette publique, avec au fond deux objectifs. Injecter des liquidités supplémentaires dans le système. Mais comme disait l'autre, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Oui. Et donc, ce n'est pas du tout évident que ces liquidités additionnelles vont se retrouver dans de la consommation, dans des investissements. Il est très possible qu'au bout du compte, ça soit thésaurisé, en quelque sorte. Et on sera dans une situation où la politique monétaire est inefficace. Ce n'est pas la première fois que ça arrivera. Bon, et deuxième intention, avoir des taux à long terme qui soient bas, justement aussi pour favoriser l'investissement, la consommation, etc. Bon, là, c'est mécanique, parce que si la Banque centrale achète massivement des titres de la dette publique, en particulier des obligations à long terme, elle fait monter le cours de ses obligations, elle fait baisser le taux de rendement, et vous avez, au fond, les taux longs aux États-Unis sont aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui... 2,7. Oui, c'est ça, 2,5, 2,6, 2,7 en valeur nominale. Oui. Vous enlevez à peu près une inflation américaine qui est autour de 2 en rythme annuel, mettons, j'arrondis, ça fait des taux réels à long terme. 0,7. Ils sont très bas. Et derrière tout ça, je veux dire, il y a quelque chose peut-être d'un peu plus machiavélique du côté de la politique monétaire américaine, c'est de recréer des anticipations d'inflation. Parce que, au fond, Bernanke, le patron de la Fed, il a, au départ, donc c'est quand même un économiste qui a beaucoup travaillé sur la crise de 1929. Il a beaucoup travaillé sur la décennie japonaise perdue, The Lost Decade, comme on dit en anglais. Et donc, il a absolument envie d'éviter aux États-Unis les deux situations. Mais on appelle ça l'hélicoptère Bernanke, c'est-à-dire que depuis 2 ans, hein, il distribue de la monnaie avec comme les pales d'un hélicoptère qui sont les liquidités qui... C'est l'image qu'utilisait Milton Friedman à l'époque. Exactement. Il y a 50 ans, l'hélicoptère qui se promène au-dessus du pays et qui lâche des billets. C'est comme ça que la masse monétaire est censée augmenter, ce qu'on dit l'offre de monnaie exogène, la monnaie qui tombe du ciel. Bon, ceci dit...
si ça n'embraye pas sur l'économie réelle, si ça n'embraye pas sur l'investissement, sur la consommation, etc., ça n'aura pas d'efficacité. Et puis, il y a quand même, à mon avis, une bombe à retardement. Moi, jusqu'à cette opération, je trouvais que les politiques monétaires, y compris la Fed, avaient plutôt bien géré la réponse à la crise, cette crise d'une gravité quand même exceptionnelle. Bon, là, à partir de ce qui s'est passé cette semaine et cette nouvelle phase de quantitative easing, je suis un tout petit peu inquiet. J'ai jamais été monétariste au sens friedmanien du terme, donc je sais bien que les liaisons, et ça fait longtemps que je le sais, que la liaison entre la masse monétaire et les prix est une liaison qui est pas mécanique. Mais ce qui me fait peur, c'est pas le retour de l'inflation aux États-Unis. Je pense qu'à l'horizon des 2-3 prochaines années, il n'y a pas vraiment de risque de retour de l'inflation. L'inflation entendue au sens habituel, classique, voilà, sur biens et services, les prix d'État ou les prix de gros. Veut dire, avec un taux de chômage qui reste encore proche de 10% aux États-Unis, 9,6% dernier chiffre connu, avec la mondialisation qui limite les possibilités de dérive des prix. C'est pas ça que je crains. Je crains pas l'inflation sur biens et services, mais il est clair que la réserve fédérale est en train d'alimenter la bulle, la prochaine bulle. Alors, est-ce que, finalement, les causes fondamentales de la crise, notamment aux États-Unis, ce ne sont pas les déficits extérieurs? Et si, aujourd'hui, le chômage reste à un niveau élevé, malgré un plan de relance qui, d'ailleurs, a été qu'en partie utilisé, c'est parce qu'il ne crée pas de jobs à valeur ajoutée. Voilà. Et qu'il n'en crée pas de jobs à valeur ajoutée parce que les entreprises américaines n'ont pas intérêt à investir aux États-Unis, elles ont même intérêt à investir ailleurs. Et tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes fondamentales du déficit, ça servira, on alimentera avec la planche à billets, mais ça ne servira pas à grand-chose, on ne créera pas de jobs. Il y a deux aspects dans votre question. Il y a effectivement, est-ce que les déséquilibres internationaux, et aussi en liaison avec ça, ces fameuses asymétries monétaires, les privilèges du dollar en particulier, est-ce que ça, c'est pas derrière cette crise mondiale depuis 2007? Alors, ça l'est, c'est-à-dire, à mon avis, ça a contribué, c'est un peu le contexte macroéconomique d'une crise qui tient aussi à d'autres facteurs. Je dis ça tient aussi à d'autres facteurs parce que moi, j'entends parler des déficits américains depuis que je suis étudiant, long time ago, oui. Donc depuis 40 ans, j'en entends parler, et j'entends parler des débats sur les privilèges du dollar qui font que quand on finance ses déficits dans sa devise, le dollar, on n'a pas les mêmes contraintes que des pays qui financent leurs déficits dans la monnaie des autres. Oui. Et les Américains, ils financent 90% de leur déficit budgétaire extérieur dans leur devise, dans le dollar. Donc, ils n'ont pas la même notion de contrainte extérieure que les autres. Ça fait 50 ans qu'on en parle, et souvenez-vous des débats qui avait été posé à l'époque du général de Gaulle sous l'impulsion de Jacques Rueff, justement. On retrouve un peu ça. Ça me frappe beaucoup quand on regarde ce que dit la Chine depuis mars 2009. Le gouverneur de la Banque centrale de Chine a ouvert le débat sur le rôle du dollar, sur ses asymétries monétaires, sur la diversification nécessaire des monnaies de réserve à partir de mars 2009 en disant que les Chinois voulaient travailler avec une autre monnaie que le dollar. Bon. Et en même temps, parenthèse, et je reviens dans une minute sur le deuxième aspect de votre question, mais avant, je termine sur le premier aspect. Quand les Chinois disent qu'ils veulent travailler avec une autre monnaie que le dollar, sur le plan général, on peut comprendre pourquoi et ça peut avoir des avantages. En même temps, il faut qu'ils y aillent mollo. Parce que s'ils précipitent la chute du dollar, ils vont perdre... Leurs actifs en dollars perdront leur valeur. Ils vont, excusez-moi d'être vulgaire, ils vont perdre leur culotte sur 70% de leur réserve de change. Oui. Enfin, et en même temps, et d'autre part, nous, Européens, parce que la France a raison de mettre tous ces sujets-là autour de la table du G20. Depuis 2 ans, le G20 a travaillé sur les problèmes de régulation bancaire et financière. Je pense qu'il est temps d'élargir un peu le débat, justement sur ces aspects de déséquilibre macroéconomique et de rôle des différentes monnaies. Nous, Européens, on a raison de mettre le sujet sur la table. Et en même temps, si on précipite la baisse du dollar, on favorise la montée de l'euro, ce qui n'est pas un cadeau pour nous en Europe, compte tenu qu'on est déjà une zone de basse pression. Je reviens, juste un mot, je suis un peu long, mais je reviens sur votre deuxième question, c'est-à-dire le comportement des entreprises américaines et les problèmes de concurrence. Il y a derrière cette question, évidemment, tous les débats sur les délocalisations, sur la décomposition au plan international, au fond, de la chaîne de valeur. C'est un sujet sur lequel, exactement, en lisant votre bouquin, votre dernier bouquin, votre avant-dernier bouquin, j'avais beaucoup, regardé ce que vous disiez sur ces problèmes de décomposition en liaison avec tout le débat sur la délocalisation. Il est clair que c'est dans le débat. En même temps, moi, je suis
Je ne suis pas un adversaire, évidemment, de la division internationale du travail. Mais je dis simplement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est dans un scénario où les pays les plus avancés ne vont retenir que des productions, j'allais dire, à faible valeur ajoutée. Service. Bon, et ça, c'est pour ça que je termine là-dessus. Je ne fais aucune séparation entre le débat monétaire et le débat industriel. Je sais que vous non plus, vous ne la faites pas, cette séparation. Mais on a tendance, au plan international, à saucissonner les sujets. Bon. L'OMC est censée nous faire avancer, nous fait pas du tout avancer en ce moment sur les problèmes de commerce. Les questions de taux de change, on va les aborder dans le cadre du G20. Ce que je trouve intéressant dans l'exercice G20, même s'il a ses limites, c'est que je pense que ça peut être un lieu de synthèse de questions qui ont été saucissonnées aujourd'hui. Ce qui est frappant, c'est qu'on voit un pays qui a une stratégie. C'est la Chine. Et cette stratégie, elle s'y tient depuis 32 ans, on pourrait même ajouter depuis 1949. On voit aux États-Unis un pays qui hésite et qui ne sait pas finalement très bien quelle stratégie adopter. Et quant à l'Europe, on en parlera tout à l'heure, il y a un pays qui a une stratégie, qui est l'Allemagne, et d'autres qui n'en ont pas non plus. Alors, je reviens sur la stratégie chinoise. La stratégie chinoise, c'est clairement d'engranger le maximum de réserves grâce à leurs recettes à l'exportation, et ensuite, avec cet argent, de s'assurer des positions à très long terme. Et ensuite, progressivement, de contester tout doucement le rôle du dollar, ce qui est le cas actuellement. Mais les Américains, on a l'impression que la Fed, effectivement, inonde de monnaie, se dit bon, il va y avoir de l'inflation, de fait, mais en même temps ne s'attaque pas au fond du problème. Parce que les Républicains, ils veulent diminuer encore les impôts, réduire le train de vie budgétaire, mais ils vont creuser le déficit, encore plus. On est, si vous voulez, ce que vous dites rejoint un peu ce que j'avais évoqué rapidement, c'est-à-dire que on est vis-à-vis des déficits budgétaires extérieurs du côté américain, toujours dans cette attitude qui existe depuis 50 ans, de benign neglect, je traduirais en français, de douce insouciance. C'est-à-dire, attitude qui est confortée par les privilèges du dollar. C'est-à-dire que l'expression de John Connolly de 1971, le dollar, quand il disait, il parlait des États-Unis. C'est notre modèle. Et c'est votre problème. Ça reste toujours vrai. Alors, nous, on a créé l'euro pour différentes raisons, mais aussi pour essayer de rééquilibrer un peu le système monétaire international. L'euro, je ne parle pas ici, dans ma phrase, des taux de change, je parle du rôle international de l'euro. L'euro a pris des parts de marché. L'euro représente 27% des réserves de change des banques centrales dans le monde, mais le dollar est encore à 62%. 27 plus 62, ça fait 89, ça veut dire qu'il reste des miettes pour les autres. Le yen n'est plus dans le débat monétaire international. Parce que les Américains l'ont étranglé. Aussi, puisque eux-mêmes, pendant très longtemps, quand c'était possible que le yen voit son rôle international renforcé, avaient peur. Comme les Allemands, à certains moments, quand on était bien avant l'euro, les Allemands, dans les années 60 et 70, avaient peur des responsabilités, et pas uniquement des privilèges, d'un pays qui émet une monnaie de réserve internationale. Donc le monde est organisé autour de deux monnaies, l'euro et le dollar. Les autres ont des miettes. Et on attend, en quelque sorte, et je rejoins ce que vous disiez sur la stratégie de la Chine, on attend le yuan comme on attend Godot, d'une certaine façon, et dans 10-15 ans, il y aura peut-être un monde organisé autour de trois devises, on peut l'espérer, en tout cas pour nous, le dollar, l'euro et le yuan. Bon, mais d'ici là, il faut que les Chinois prennent des mesures pour rendre leur yuan totalement convertible, et à mon avis, ça va prendre 10 ans. Ils ne vont pas se précipiter. La crise mondiale ralentit plutôt les velléités de libéralisation. Et moi, je le vois bien quand je vais aujourd'hui dans les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie. Ces pays, d'une certaine façon, se disent qu'ils ont peut-être eu raison de ne pas libéraliser leur compte capital trop vite. Bon, contrairement à ce que souhaitait à l'époque, il y a 20 ans, il y a 15 ans, le FMI, la Banque mondiale et le consensus de Washington. Donc, on est dans ce contexte-là, et je suis d'accord avec vous, les Chinois, ils savent ce qu'ils veulent. Face à d'autres pays qui le savent peut-être moins et qui ne s'entendent pas entre eux. Je pense que les Américains, ils savent ce qu'ils veulent. On va le voir. On va le voir dans le nouveau contexte. À ce sujet... Que penser des propositions de Tim Geithner,
On a vu lors du dernier G20 des ministres des Finances, les Américains ont brusquement changé de pied. Ils n'ont plus parlé de la réévaluation du yuan, mais ils ont proposé de plafonner les excédents commerciaux et les déficits commerciaux à des balances de compte 4%. Écoutez, j'en pense du bien et du pas bien. Alors, du bien, parce que je pense que sur le plan diplomatique, plus on demande aux Chinois de réévaluer, plus on leur demande directement de réévaluer leur taux de change, moins ils ont envie de le faire. Bon, ils ont, comme tout le monde, ils ont l'esprit de contradiction. Et donc, il faut contourner ça en abordant le problème des taux de change sous l'angle des balances courantes, plutôt que d'aborder directement la question sous l'angle des taux de change. J'en pense pas du bien parce que Tim Geithner, en limitant, en disant il faut limiter les excédents et déficits courants à 4% du PIB de chaque pays, pour les pays qui ont des excédents et des déficits. D'abord, on ne sait pas très bien d'où vient ce 4%. Oui, comment... Bon, c'est comme le 3% de déficit public dans le traité de Maastricht, ça tombe un peu du ciel. Mais pourquoi 3, pourquoi 4, etc. Oui, pourquoi. Et deuxièmement, ce qui me gêne un peu dans le débat, dans le cadre du G20, c'est qu'évidemment, ça vise les Chinois. Ça vise les Allemands, mais ça ne vise pas les Américains aujourd'hui, parce que les Américains ont vu une baisse de leur déficit courant depuis plus d'un an, et les Américains ont un déficit courant qui est légèrement supérieur à 3% de leur PIB. Alors, ce n'est pas très crédible que celui qui propose, en l'occurrence le secrétaire américain au Trésor, propose une limite qui fait qu'il exonère son propre pays. Je ne trouve pas ça très crédible dans les débats internationaux. Je trouve que l'idée est bonne, parce que ça renvoie à tout le débat sur épargne-investissement. Derrière les problèmes de déséquilibre courant, il n'y a pas uniquement des problèmes de taux de change, il y a des problèmes dans chaque pays d'ajustement, désajustement entre l'épargne domestique et l'investissement domestique. Et c'est là, au cœur, qu'il faut aborder les problèmes consommation, épargne-investissement, y compris du côté chinois. Derrière votre question, il y a aussi, au fond, le fait que les Chinois sont en train de passer à un autre modèle de croissance, où ils font croire, je ne sais pas, qu'ils passent à un autre modèle de croissance, moins dépendant des exportations et plus dépendant de la demande intérieure. Ils font croire parce que ils ça va prendre du temps. Pour que les Chinois se mettent à consommer, il faudrait qu'ils aient un minimum de socle de sécurité sociale, par exemple, et de système de retraite. Il est clair que si les Chinois ont un taux d'épargne, les chiffres valent ce qu'ils valent. 50%. 40-50%, oui. C'est aussi à cause de ça. Donc, il ne suffit pas de dire, on redéploie... C'est un pays vieux. Et c'est un pays qui vieillit. Et puis qui, voilà, même s'ils sont 1,3, 1,4 milliards, en termes de taux de croissance, ils ont aussi... Il y aura des problèmes de retraite, eux aussi. La démographie, la transition démographique que les autres. Et alors, au G20, la France va mettre effectivement, apparemment, les problèmes monétaires sur le tapis. Même si pendant les 3 jours de la visite du président chinois, on ne va pas en parler officiellement. Bon, pour pas parler des sujets qui fâchent. Est-ce que c'est le grand sujet du G20 sous présidence française? Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que la France va essayer de proposer? Écoutez, c'est vrai qu'on va ajouter ce sujet. Et moi, je suis dans l'idée qu'il ne faut pas qu'un sujet chasse l'autre. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec les questions de régulation bancaire et financière, même si ça a été le cœur du sujet du G20 depuis 2 ans. Je veux dire, il y a encore un certain nombre de thèmes. Par exemple, je considère que le débat sur... ce qu'on appelle Bâle 3, l'arrivée des nouvelles règles bancaires, ce débat, il n'est pas totalement fini, même si, en septembre, il y a eu des propositions précises du côté du comité de Bâle et du Conseil de stabilité financière. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que les Européens ne se sont pas fait avoir par les Américains? Possiblement, parce que les Américains nous poussent à resserrer les boulons, et on n'est pas sûr, en effectif, qu'ils vont jouer le jeu eux-mêmes. Ils vont peut-être nous laisser au milieu du guet. Donc, ils nous poussent, j'allais dire, vers le haut, c'est-à-dire à... du côté des banques, à resserrer les exigences en fonds propres, à appliquer des coefficients de levier qui nous viennent de la réglementation bancaire américaine, etc. – Ce qui se traduit par moins de crédit à l'économie de la part des banques. – Il y a un vrai problème de transition, parce qu'il faut à la fois resserrer les boulons, il ne faut pas que ça tue la reprise. Et ça, c'est un débat très important. Bon, alors, donc, je disais que on a raison, je trouve, du côté français, d'élargir... les questions traitées autour de la table du G20. Il ne faut pas faire une croix sur les problèmes de régulation bancaire et financière, parce que ce n'est pas encore fini de traiter. Troisième remarque, c'était votre question, qu'est-ce que la France ou qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que sur cette question de déséquilibre internationaux, de taux de change et de monnaie de réserve, il faut que chacun fasse un geste ou fasse une partie du chemin.
Et c'est uniquement si chacun donne un signal qu'on arrivera à avancer. Ce n'est pas en 6 mois qu'on va traiter le problème. Je vous ai dit tout à l'heure, les déficits américains, j'en entends parler depuis 40 ans. Donc, je ne serai pas là dans 40 ans pour en entendre parler encore, mais je veux dire... Avec les progrès. Peut-être, mais merci. merci, cher ami, de me souhaiter longue vie, mais enfin, n'exagérons pas quand même. Et donc, je dis simplement que moi, ce que j'attends, c'est que chaque pays ou chaque zone concernée fasse un geste. J'attends du côté chinois... qui disent des choses précises sur ce problème de redéploiement, même si ça prendra du temps, de leur modèle de croissance, vers un peu plus de demande intérieure et un peu moins d'exportation. J'attends du côté chinois qu'ils prennent des engagements dans le temps vers une réévaluation progressive, graduelle de leur taux de change. J'attends du côté américain quelque chose de clair que je n'ai pas vu arriver jusqu'à présent sur la réduction des déficits budgétaires américains. Qui ira quand même de pair avec sans doute la réduction du déficit extérieur américain. Et j'attends du côté de l'Europe. La zone euro, prise globalement, n'est pas très éloignée de l'équilibre courant. Donc, prise globalement. Prise globalement. Okay. Avec d'énormes, comme vous, votre remarque, d'énormes disparités qui sont en quelque sorte masquées par la monnaie unique, si je puis dire. Bon. Énorme excédent extérieur de l'Allemagne, gros déficit extérieur de la France, sans parler des autres pays membres de la zone euro. Donc, mais globalement parlant, les 7 pays de la zone euro sont pas très loin de l'équilibre courant. Donc si on prend la règle de Geithner, dont on parlait tout à l'heure, la zone euro prise globalement n'a pas beaucoup d'engagement à prendre, même si entre nous, on a des choses à faire. Bon, mais là où l'Europe doit prendre des engagements dans le cadre du G20 pour être crédible, vis-à-vis des Chinois et des Américains, et engager les autres à prendre des engagements, ou pousser les autres à prendre des engagements, c'est que nous, du côté européen, je pense que le sujet européen, c'est qu'on est une zone de basse pression du point de vue de la croissance et de l'emploi, et quand on prend les prévisions pour les 10 prochaines années pour l'Europe, CF les travaux de la Commission Attali, on risque de rester une zone de basse pression. Au fil de l'eau, si on ne fait rien de plus, on est abonné surtout à une croissance... Surtout avec les plans de rigueur. On est abonné à une croissance de 1,5 à 2% par an. Bon. En étant généreux. Parce que je suis optimiste dans la vie, vous le savez, Jean-Michel. Bon, 1,5 à 2%, ça veut dire que si on ne fait rien de plus, il nous faut des années en Europe pour retrouver le niveau du chômage d'avant 2007. Il nous faut 1,5-2 pour... Stabiliser. Stabiliser. Non, donc ça veut dire qu'on reste en France avec 10% de chômeurs, en Espagne avec 20%. Bon, la démographie va aider, mais elle ne va pas suffire. Bon, et donc d'où le débat sur les... Comment activer un peu plus les politiques de l'emploi. Mais je veux dire par là que l'Europe doit prendre des engagements pour activer un peu et relever son sentier de croissance avec tous les sujets que vous connaissez bien, qu'on a abordés dans le cadre de la commission du Grand Emploi, qui sont, je vous appelle pour faire bref, des sujets schumpeteriens. Innovation, recherche, développement, croissance des PME, compétitivité, amélioration de la qualité, la compétitivité, la gouvernance de nos universités. Moi, je suis universitaire avant tout, et je considère que le débat sur les universités est central pour la croissance des prochaines années. Même si ça, parfois on a du mal à voir la liaison entre l'université et la croissance, ces liens existent. Bon, et donc, l'Europe doit au G20 dire qu'elle se donne les moyens d'une stratégie plus active de croissance, même s'il faut, dans le même temps, qu'on réduise nos déficits publics, bon, à un rythme à définir. Bon, et deuxièmement, l'Europe doit prendre des engagements dans le sens de la poursuite d'un certain nombre de réformes structurelles, même malgré les difficultés qu'on peut rencontrer ici ou là. Bon, je veux dire par là, je résume en une phrase. Si on continue à dire au G20, tout ça c'est de la faute de la Chine, on n'avancera pas. Il faut, dans le cadre du G20, que les principales parties concernées fassent un bout du chemin. De toute façon, je ne me fais pas d'illusions, ça sera difficile d'avancer, ça prendra du temps. Mais je pense que la France, président du G20 à partir du 12 novembre, peut quand même essayer de convaincre les autres. Dernier point, pour faire ça, nous, sous présidence française, il faut qu'on soit totalement soutenu par les autres pays européens. Alors, je n'ai pas trop d'inquiétude du côté allemand. Non pas que l'Allemagne partage nécessairement tous nos points de vue sur la réforme du système monétaire international. Regardez les positions de l'Allemagne depuis 50 ans. Souvent, il y a eu des débats franco-allemands. Ils n'étaient pas d'accord avec nous. Ils avaient le droit de ne pas être d'accord avec nous, les Allemands. Bon, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils peuvent être d'accord avec nous.
je suis plus incertain, évidemment, sur la position britannique. Et quand on prend un sujet qui va être mis sur la table du G20 par la France, c'est-à-dire réduire, essayer de prendre des mesures pour réduire la volatilité des matières premières. Par exemple. Bon. Ou la volatilité des changes, peut-être. Oui, mais enfin, tout ça est tout un peu lié, hein, parce qu'on vit dans un monde où beaucoup de marchés se sont financiarisés. Pas uniquement le marché des changes, le pétrole, les marchés matières agricoles. Si on veut réguler, il faut réduire la volatilité. Bah, voilà. Alors, moi, j'ai avec Jean-Pierre Jouyet et Serge Guillon, troisième auteur, on a fait un rapport présenté il y a quelques semaines pour Bruno Le Maire, à sa demande, justement, sur comment réduire la volatilité des matières premières agricoles. Et là, on retrouve un débat qui est assez transversal, parce que ça rejoint le débat sur, au fond, aussi, par exemple, les marchés d'instruments dérivés en finance, le rôle des hedge funds, des fameux hedge funds, est-ce qu'il faut interdire ou pas les ventes à découvert nues, enfin, et plus des problèmes spécifiques qui tiennent au fait que les produits agricoles sont stockables ou... Bon, tous ces débats-là. Mais je reviens sur la Grande-Bretagne. Elle vit de la spéculation. La City vit sur la spéculation. Je ne suis pas sûr que les Britanniques, même si on vient de signer un accord important en matière de défense, ou qui est potentiellement important avec les Britanniques... Ça, c'est l'alliance de l'aveugle et du paralytique. Non, mais c'est surtout une coopération. Je ne reprends pas vos propos. Je vous les laisse. Je vous en laisse totalement la responsabilité. C'est pour ça que je ne les reprends pas. Mais Jean-Michel, c'est en période de vache maigre... Ben oui. C'est-à-dire de restrictions budgétaires, on est amené à s'entendre. Alors ça, c'est l'accord de l'autre jour, d'il y a quelques jours, franco-britannique sur la défense. Moi, quand j'interviens là-dessus, parce que je m'intéresse aussi aux problèmes de défense, j'ai tendance à dire... Bon, moi aussi, oui. Je sais, Jean-Michel. Je dis aussi, j'aimerais bien aussi que dans le franco-britannique, il n'y ait pas que des raisons négatives qui fassent qu'on se rapproche. Il est de temps en temps parce que les Allemands nous lâchent sur la défense. Les Allemands n'investissent plus dans la défense. Oui, bah, les Allemands... Nous, budget, on réduit les crédits. C'est moins significatif. Le budget allemand de défense, c'est 1% de leur PIB. La France et la Grande-Bretagne sont les deux seuls pays européens à avoir des budgets de défense à 2 ou un peu plus de 2% du PIB. À cause des forces de frappe. Voilà. Mais si on enlève les forces de frappe, il n'y a plus rien. Bon, nous n'avons plus de défense, soyons clairs. Non, mais dans un contexte, vous le savez aussi bien que moi, on voit arriver de nouvelles menaces. Tout à fait. Le problème de ce qu'on appelle les guerres asymétriques, qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, mais qui impliquent aussi de nouvelles réponses ou ripostes. Mais l'Europe est en train de disparaître de l'écran radar militaire. Et alors, vous me posez en fait à travers cette affirmation aussi une question, si vous permettez que j'embraye là-dessus. C'est que dans le monde qu'on a décrit là, moi qui suis plutôt optimiste, comme vous le savez dans la vie, il y a quelque chose que je crains. C'est que... Par exemple, si on revient une minute sur la question de l'euro et les questions monétaires, ce que je crains, c'est que face à des Américains qui sont aujourd'hui agressifs sur le plan d'échange, plus Geithner dit qu'il est pour un dollar fort, plus ça devient, plus à mes yeux, c'est suspect. Bon, ça me rappelle Paulson, là, son prédécesseur. Et, bon, les Chinois sont assez agressifs. Un certain nombre de grands pays émergents. Le Japon va se défendre, parce que le Japon, il va tout faire pour éviter la montée du yen, pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Je parle du Japon, même si la croissance japonaise n'est pas mauvaise en 2010, mais ils sont toujours en déflation de prix. Je parle du Japon. Les grands pays émergents se défendent. Le Brésil, la Corée du Sud, la Thaïlande. Ils prennent des décisions pour éviter la montée de leur monnaie. Et ils demandent à leur banque centrale de racheter du dollar et de vendre leur monnaie pour éviter la montée de leur taux de change. Donc tout le monde agit sur le marché des changes. Je crains une certaine naïveté européenne ou une absence de solidarité, je ne sais pas, ou les deux. C'est-à-dire, je crains que nous soyons dans ce monde conflictuel, en sortie de crise, je crains que l'Europe, malgré elle, soit un peu la variable d'ajustement. Je crains une montée de l'euro qui ne reflète pas la force de l'Europe. Pour de mauvaises raisons. Voilà. S'il y avait une montée de l'euro parce que l'Europe va bien... ou parce que l'Europe est forte politiquement, géopolitiquement, économiquement, je dirais à la limite, pourquoi pas. Mais là, on va avoir, à mon avis, dans les mois qui viennent, une montée de l'euro parce que les autres sont plus malins ou plus agressifs que nous, ou moins naïfs que nous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et une montée de l'euro dans un contexte, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, dans la zone qui, en sortie de crise, est quand même la zone de basse pression. Bon, donc, nous, notre problème, et je reviens sur les sujets que j'ai appelés schumpeteriens, c'est-à-dire les sujets structurels sur la compétitivité de nos entreprises et de l'offre, c'est qu'il faut tout faire, nous, Européens,
Et là, il n'y a pas de différence entre la France et l'Allemagne. Ce n'est pas parce que l'Allemagne a une croissance en 2010 de 3,5% que l'Allemagne n'est pas dans le sujet que j'évoque. De toute façon, en 2011, elle aura une croissance 2%. Moindre, hein. Regardez donc, les prévisions du FMI, ouais. L'Allemagne est à 2% l'année prochaine. La croissance potentielle, comme on dit, la croissance potentielle de l'Allemagne n'est pas très différente de la croissance potentielle de la France. On est tous dans le même bateau, au-delà du court terme. Et donc, on est tous concernés par ce sujet. C'est que face à d'autres zones qui sont peut-être moins naïves, plus solidaires ou plus agressives, nous, il faudrait éviter qu'on tombe, j'allais dire par accident ou par naïveté ou par absence de solidarité entre nous, il faut éviter de tomber en deuxième division. Parce que en football, quand vous êtes en deuxième division, ce n'est pas très facile de remonter en première, mais en économie et en finance, ouais, quand difficile. Vous êtes en deuxième division, c'est encore plus difficile de remonter en première. Donc l'objectif, rester en première division. Oui. Nous allons terminer là-dessus, ouais. Christian. Merci. Merci. Thank you.